Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yo tout le monde, Sofiane le Geek et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. Oh, de nouvelles informations sont arrivées ce matin sur le compte Twitter officiel de Dragon Ball Legends. On va aller voir ça tout de suite et croyez-moi, c'est des infos comme ça, ils te popent ça. Les 50 millions qui vont débarquer sur le jeu. Enfin, du moins, la célébration. C'est sur mon compte Twitter. N'hésitez pas à aller vous follow d'ailleurs. Le lien est dans la description de cette vidéo. Eh bien, voilà, on a Toshi qui nous a fait une petite vidéo. Alors, on va traduire avec Google Traduction. Grâce à vous tous, Dragon Ball Legends a atteint 50 millions d'utilisateurs dans le monde. Alors, pour fêter ça, nous organisons une campagne de célébration des 50 millions d'utilisateurs. Regardez la vidéo pour avoir plus de détails. Dans la vidéo, c'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. Voilà, je vous fais le résumé. On a cette affiche avec un nouveau Broly, le Gohan du film Le Retour de Broly et le Goten LF. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que là, comme vous pouvez le constater, on va zoomer, hop, vous allez pouvoir récupérer des PZ du Goten LF. Et de plus, on a un nouveau Broly comme j'ai pu vous le dire. Alors au début je me suis dit, oh là là, ça va être un LF, ça va être un Ultra, tu vois, je savais pas trop. Et au final non, il sera free to play. Parce que bah ouais, la vidéo elle était en anglais, il n'y avait pas de traduction. Et moi je parle pas anglais, t'as vu, donc j'ai essayé de me débrouiller. Mais non, apparemment ça sera un Broly free to play à obtenir gratuitement. Alors par contre, il est de type violet. Bon, la vérité, le type violet... je pense qu'on aurait pu choisir une autre couleur, hein. Bon, parce qu'on a déjà le Broly en plus du film DBS, Zenkai, qui est de type violet, tout ça, bon, bref. Après, c'est gratuit, on va pas cracher dans la soupe, les amis. Quand c'est gratuit, c'est quand même pas mal. Et du coup, le Goten LF qui va avoir son Zenkai. Alors, là par contre, là c'est un délire. Pourquoi? Parce qu'actuellement, la team Métis, mais c'est méta, c'est hyper balèze. Tu rajoutes le Goten LF, bon, il y a déjà le Gohan LF Revive, tu vois, il est de type violet. Lui, forcément, il va avoir une cape Zenkai qui va augmenter soit les familles Goku de couleur violet, soit les métis de couleur violet. Donc déjà, le Gohan LF Revive, qui était déjà très fort, va encore obtenir une cape Zenkai supplémentaire sur sa tête. Voilà, je te laisse juste imaginer. Tu pars en... voilà, avec les deux violets, tu vois, voilà, le Gohan LF Revive plus le Goten LF en Zenkai. Ouh, ça risque de faire mal. Tu rajoutes à ça, du coup, le Gohan LF Zenkai, le SSJ2. Je sais pas ce que ça va donner, hein. Je pense que ça va casser de la bouche. Alors on va voir un petit peu vous aussi, parce que vous avez réagi. Moi j'ai mis une nouvelle célébration des 50 millions de téléchargements. Voilà, ils nous l'ont sorti ce matin, on s'y attendait pas. Enfin, rectification, j'avais tweet ça à la va-vite, c'est la célébration des 50 millions d'utilisateurs et non pas de téléchargements, même si au final il y a bien eu 50 millions également de téléchargements, s'il y a 50 millions d'utilisateurs. Bref, tu m'as compris. On se rappelle que la dernière campagne pour les 40 millions de téléchargements, c'était en novembre 2020. C'était au moment du Black Friday. Voilà, ils nous avaient sorti ça. Et on a vu Migaté, d'accord? On a vu Migaté non maîtrisé LF. Là, par contre, ce qui me fait peur, enfin, peur ou pas, peut-être que voilà, certains vont être contents, c'est que là, on nous parle en gros qu'on va récupérer DPZ de Goten LF gratuitement, comme on avait pu avoir avec le fameux Goku SSJ3 LF Genkidama de type vert. On avait récupéré un petit peu de PZ et tout ça, tu fais des missions et tout. Bon, ça c'est bien, ça donne du contenu. Le Broly, pareil, il est gratuit, ça va donner du contenu, etc. Bon, par contre, c'est la PLS au niveau des énergies, au niveau des tickets pass. Hein. J'espère qu'ils vont faire un truc, parce que si derrière, tu peux pas le farmer, le perso, parce que t'as plus d'énergie ou t'es en reste de tickets pass, je sais pas comment qu'on va faire pour avoir Broly. En tout cas, moi, avec les sbires et tout, de Freezer qui sont arrivés, c'est un délire. Hein. D'ailleurs, en plus, il se termine demain. J'essaye depuis hier soir de les farmer à fond. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est pour la partie un petit peu... free to play, d'accord, donner du contenu, hormis après des PZ gratuits du Goten. Bon, bah, à mon avis, il faudra aller invoquer pour Zenkai le Goten LF 7000 cristaux. Tu vas l'avoir Zenkai 7. C'est voilà. Par contre, on parle de 50 millions de téléchargements. Qui sera le perso star
des 50 millions de téléchargements. Moi, il ne faut pas me faire croire qu'il ne va pas y avoir un nouveau LF qui va débarquer ou un nouveau perso ultra, pourquoi pas, hein, j'en sais rien, je dis ça comme ça. Mais imaginez-vous qu'on a un perso LF de fou furieux qui débarque. Bon, on va être en PLS, hein, on n'oublie pas. 40 millions de téléchargements, on avait Migaté non maîtrisé LF. Là, de ce que je vois, c'est du contenu à farmer, etc. À l'exception de Zenkai, le Goten. Mais ça, les Zenkai, on a l'habitude, hein, tous les 15 jours, on a quasiment un nouveau Zenkai, etc. Je pense pas que la campagne des 50 millions de téléchargements va s'arrêter à ça. Non, je pense qu'elle va durer un petit moment, tu vois, genre un bon mois, genre peut-être tout le mois d'août, tu vois. Et genre d'ici une semaine ou un truc comme ça, on va avoir un nouveau step-up qui va débarquer. Et là, boum, on va nous mettre un nouveau perso star. D'ailleurs, regardez, c'est très simple. On va aller voir un petit peu dans les tirages. Quand est-ce que ça... Enfin, il s'arrête quand, là, les portails? Donc, lui, bon, c'est jusqu'au 16 septembre. C'est normal. Goku, Majoub, voilà. Lui, il reste 19 jours. Très bien. Lui, il reste 20 heures. Ok. Ok, voilà. Donc, lui, il reste 20 heures. À mon avis, il y a des chances que ça se soit remplacé par un nouveau step-up pour les 50 millions de téléchargements. Le step-up de Gohan LF Revive avec Bojack et Trunks. Je pense que on peut avoir un nouveau LF qui débarque. Alors, peut-être pas dès demain, peut-être pas dans 20 heures, tu vois. Je pense que demain, on va commencer tout doucement la célébration des 50 millions de téléchargements. Parce que déjà, si vous allez dans les annonces, on a une maintenance de prévu qui a pop ce matin. Donc, je pense que c'est juste... Voilà, ici, annonce de maintenance. Hop, on va faire détail. Voilà. Il y a une maintenance au niveau du tirage. C'est normal. Le Gohan LF, le step-up du Gohan LF Revive, il va sauter. On va également avoir les récompenses du mode de jeu tournoi du pouvoir. Donc, ça, c'est plutôt pas mal parce que je crois que je suis dans le top mid là, actuellement. Donc, ça, c'est plutôt bien. Mais il n'y a pas de maintenance boutique. Donc, qui dit pas de maintenance boutique, dit pas de nouveau step-up qui débarque avec un nouveau LF perso star. C'est une bonne chose. Par contre, la semaine prochaine, attention, ça sera peut-être pas la même chanson la semaine prochaine. Je dis ça comme ça. Donc voilà, je vous avais dit un nouveau Broly encore LF selon vous. Donc voilà, j'ai tweeté ça à chaud parce que je comprenais pas bien l'anglais. Mais non, ce n'est pas un nouveau LF. Enfin, je me posais la question, tu vois. Ça sera un perso free-to-play à farmer. Goten LF va obtenir son Zenkai. Déjà que la team Métis est forte, ça va cogner, tu vois. Forcément, c'est hyper... C'est méta de ouf. C'est très très fort la team Métis actuellement. Et j'ai dit, voilà, je vous prépare une vidéo pour ce midi. Chose que je suis en train de faire. Comme vous pouvez le constater, il est 11h47. Voilà, donc là il y avait Toshi. Alors on a William qui nous dit ce sera un Broly free to play ou le Broly ultra transfo légendaire. Voilà, même lui, tu vois, il était un petit peu dans le flou parce qu'il dit c'est indiqué Get Z Power from Co-op or PVP Reward. Bon, bref, moi je suis pas bilingue, t'as compris, tu vois. C'est vrai que c'était un petit peu flou quand on comprend pas bien l'anglais. Pour le Broly, je trouve que ça fait un peu trop, mais le Goten LF Zenkai, je le savais, ça fait un moment qu'ils en parlaient. Alors, effectivement, c'est vrai que ça fait beaucoup de Broly quand même sur le jeu. Bon, bah, on va prendre, hein. C'est vrai que ça fait encore un Broly supplémentaire. Je crois qu'on a déjà 10 Broly sur le jeu avec les EX et tout. Plus le Broly Legends Rising, tout ça, enfin Rising Battle et tout. De type rouge, il faudrait les compter, mais je crois qu'on en a au moins 10, hein. Franchement facile. On a Akuma qui d'ailleurs a été tiré au sort hier, hein, qui a gagné, voilà, des mangas, et le deuxième, je sais plus, c'était Christ Uchiwa, je crois, voilà, et comme j'ai pu le dire, voilà, ils ont participé au jeu concours sur Twitter. N'hésitez pas à aller vous follow à mon compte Twitter, je vous le redis, le lien est dans la description du live, hein, c'est @sofianlegeek, et activez la cloche, les notifications sur Twitter, parce que là, il y a un gros jeu concours qui arrive. Je dis ça comme ça, d'accord? Voilà. Maintenant, vous savez ce qu'il reste à faire. Du coup, peut-être free to play, le Broly, tu vois, beaucoup de personnes se posent la question, mais effectivement, oui, c'est bien. Free to play. Ouais, des Z power de ce Broly seront obtenables en coop et en faisant du PVP. Ok, donc ça, c'est plutôt cool. Il sera pas LF, il sera gratuit, donc voilà. Il est gratuit, ils ont dit fait un effort. Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Ok, j'attendais juste. Alors, tu vois, moi je lui ai dit, détends-toi quand même, je ne parle pas anglais, tu vois. Si jamais il aurait été après virulent, ça aurait été bloqué, hein, ça aurait été ban. Voilà, on comprend pas en fait pourquoi il a... Voilà. Au lieu de me dire, il sera gratuit, voilà, comme certains ont pu le dire, l'autre, fais un effort. Vas-y, va dormir, va. T'as de la chance, je te bloque pas, t'as de la chance. Prochaine fois, ça dégage. Moi, je pense que le Broly va être gratuit, oui, bah tu penses bien. Ibrax, il est free to play, ils ont dit, beau gosse. Et pas LF. Ok, donc ça, ok, merci.
Ensuite, il a dit le Zenkai de Goten est plus du tout impactant. Il sert presque à rien. Alors non, par contre, là, je serais pas d'accord avec Ibrax. Pour moi, le Goten LF ne va pas servir à rien. Déjà, premièrement, de par sa cape Zenkai qui va venir également booster le Gohan LF Revive. Et d'ailleurs, bah tiens, bah, c'est, voilà, c'est ce que je lui ai mis. Et du coup, il a dit, bah justement, elle va juste remplacer celle du Gohan SSJ2 violet Zenkai. Sinon, tu vas le jouer dans une team fun. Donc voilà. Non, mais ça sera pas fun. C'est... Je crois qu'il se rend pas compte, Ibrax. Je crois que ça va cogner. T'es un malade, mon... Attends, j'ai pas lu. T'es un malade, mon ref. Tu joues PPR, Gohan Revive, Goten, Gohan Zenkai LF. Tu verras si c'est fun, PTDR. Bah, hey, c'est exactement ce que je dis en vidéo. Tu prendras les deux. Le Gohan LF Revive violet, le Goten LF Zenkai, plus le Gohan LF Zenkai SSJ2 LF. Mais frère, ça va casser la bouche, hein. Ça va pas être en mode chill, en mode fun, hein. ouais, je sais et tout. C'est de la merde, mais en gros, ouais, voilà. Bon, ok. Et puis voilà. Ça te fait pas peur, peut-être? Non, c'est vrai que la carte de Goten LF en Zenkai, je pense que ça peut cogner dur. Et s'il rajoute 2-3 petites choses, ça risque de faire mal. La team métisse déjà forte, bah oui, elle est très forte. MDR, c'est la meilleure team du jeu. Elle obtient un nouveau Zenkai, ce sera la team. Oui, mais ça, je suis d'accord. Bah pourquoi. J'ai pas compris en fait ce qu'il a voulu me dire, parce que oui, je suis d'accord avec lui, mais bon. Il est free to play, il y a marqué acquisition event. Oui, ça y est, c'est bon. J'ai vu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il mérite son Zenkai sur Goten. C'est vrai que le Goten LF, ça fait très longtemps qu'il était là. Effectivement, c'est vrai, ça méritait un Zenkai. Le problème, c'est que, bah voilà, c'est. Ce qu'il y a, c'est que là, la team Métis, elle est méta de ouf, quoi. Et là, tu vas rajouter encore une cape Zenkai en plus sur la tête du Gohan LF Revive de type violet. Tu vas les jouer ensemble avec également le Gohan et tout, comme on a pu dire, en purple red, tu vois. Ça va être très fort, les gars. Ça va être très, très fort. Donc, voilà un petit peu pour les news. Je vous montre également une chose que j'ai farmée hier, justement, sur mon compte Dragon Ball Legends, quand j'ai coupé le live Twitch. Voilà, regardez, je suis en train de farmer les sbires. Là, par contre, là, voilà, je commence à plus avoir beaucoup d'énergie. J'ai plus de ticket pass, d'accord. Donc, je les ai mis 10 étoiles, quasiment tous. Voilà, ils sont quasiment 10 étoiles tous. Il y a lui. Aujourd'hui, je vais essayer de le mettre également 10 étoiles. Et malheureusement, je ne pourrai pas les mettre à 14 étoiles. Parce que bah, j'ai plus assez de ressources. Voilà. N'hésitez pas également à aller vous follow sur mon compte Twitch. Le lien est également dans la description de cette vidéo. Je pense que ce soir, on ira sur Twitch faire du Pokémon Unite, les amis, sur Nintendo Switch. Et n'oubliez pas que dans un mois, le jeu sortira sur mobile également gratuitement avec cross-platform Nintendo Switch, iOS et Android. Voilà les amis, sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super!